Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sonic Force. J'espère que ça vous a... J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cet épisode. Donc là, on est épisode 17, Metropolis versus Infinite. Let's go. Alors, on va affronter qui? Je pense qu'on va affronter avec la recrue. Encore des insectes à écraser. Je me demande si ce monde a de vrais défis à m'offrir. Et pour toute réponse, le monde m'envoie un enfant terrifié. Vas-tu combattre et mourir ici, ou fuir de nouveau par la jetée? Mais non, recule pas! Allez, c'est ton heure de gloire! Allez, courage! Laisse pas la peur te submerger! Bien, je vais t'apprendre la terreur, la douleur, et ensuite, eh bien, au moins la terreur et la douleur cesseront. Allez, let's go! Je sais plus comment on fait. Mais bon, par contre, les combats avec les Infinite, c'est toujours aussi stylé. Autant stylé. Alors. Alors, comment. Ok. Merde, j'ai touché le truc. Je suis con. Donc. Ah oui, c'est vrai, ça fait apparaître des canons quand tu touches le truc. Alors. Ok, c'est comme ça qu'on le bat, votre boss, pas très compliqué. Prends-toi ça. Dans le gueule. Enfin, dans la gueule. Ça me fait dire dans le gueule. Non. Merde. Voilà, fais le malin, tombe dans le ravin, comme on dit. Putain, merde. Bon, putain. Quel débile. La musique, elle est tellement stylée, j'adore. Je kiffe tellement Sonic. Prends-toi une rings, enfin quelques rings. C'est quoi ça? Ok. Non. Parfait. Non, il m'a foncé dessus, le bâtard. Le bâtard. Attention. Oui, presque midlife, il est presque midlife, on est bon. Enfin, je crois. Je me démarre de pas bien. Ah, quand il fonce, je peux lui faire une attaque câblée. Oh bah pourquoi pas. Alors ça c'est con ça. Merde, il me reste plus que deux rings. Là, je peux aller sauter dessus? Non, pas encore. La musique est tellement stylée. Il y a ça là aussi à prendre. J'ai une rings. J'ai une rings, deux rings maintenant. Là. Oh, je lui fais pas mal de dégâts là. Non, mais pourquoi t'as foncé sur lui aussi? Espèce de gros débile. Heureusement qu'il y a des rings qui réapparaissent tout le temps. Hein. Sinon, je serais déjà mort. Alors, ça a de me suivre ce truc là? Merci, c'est gentil. Pour être gentil, ouais. Mais alors, ce qui est vachement bien, c'est... Bon, c'est pas ça qui est vachement bien, hein. C'est qu'en fait, lui, il est à un plan arrière, en fait. Il est un plan à l'arrière, donc du coup, tu peux pas le toucher. Enfin, là, il est au plan de devant, donc je peux l'atteindre. Mais des fois, il se met dans un plan d'arrière, vu que c'est en 2D, bah... S'il est sur un arrière-plan, tu peux pas le toucher. Ça, c'est vachement bien. Enfin, c'est bien foutu, on va dire. Parfait. Saute. Merde, putain. On va réussir ou pas? J'ai l'impression qu'on va pas réussir là.
Allez, hop, prends-toi ça, t'es bon, t'es mort. J'ai sous-estimé à quel point les faibles s'accrochent désespérément à la vie. Ouais, c'est vrai que... Je sais pas si ça peut on dire que c'est vrai ou pas vrai que les faibles s'accrochent toujours à la vie ou un truc du genre. Mais bon, est-ce qu'on a le rang S, s'il te plaît? Yes! Oh, elles sont belles les chaussures. Bon, ça c'est cool. On a réussi le combat. J'adore la musique à la fin de niveau. Je me souviens. Tu as fui devant moi. Tu as survécu alors. Et tu viens te sacrifier maintenant. Tu peux faire tes prières. Quoi? Comment est-ce possible? Insensé. Mais comment? La ne leur reste que 2 jours. Qu'ils contemplent l'inévitable jusqu'à ce que je mette un terme à tout ceci. Ok, il veut mettre un terme à tout ceci. Parfait. Ah, on va être Chemical Plant. Eh ben, let's go. Ça allait bien pour l'opération Vague Géante. Mais elle est tombée à l'eau quand le Ruby Fantôme a fait son apparition. La réplique de Shadow a été créée grâce au pouvoir du Ruby Fantôme, n'est-ce pas? Même si c'est une projection de réalité virtuelle, elle est aussi forte que le vrai. Rouge, as-tu trouvé les renseignements que je cherchais? Non, pas encore. Mais il paraît que la base de données d'Eggman se trouve à l'usine chimie. Si on y va, on pourrait peut-être trouver quelque chose là-bas. Ça, c'est une piste prometteuse. On doit découvrir le secret qui se cache derrière le pouvoir d'Infinite et la réalité virtuelle. Tails, tu peux t'en charger? Compris. Je vais me rendre à l'usine chimique avec Sonic. Je veux dire l'autre. Ok, ça va être un niveau à l'ancienne. Bah, en vrai, c'est plutôt logique, puisque ça, c'est un niveau qui était dans Sonic 2 sur Mega Drive. Sonic 2, c'est le monde 2 de Sonic 2. Très bon, Sonic, d'ailleurs. On l'a fait en café rétro, si jamais... Une fois on a fait les deux, on a fait Sonic 1 et Sonic 2 en café rétro. Oh, ils ont remaster la musique, ça va. C'est la même musique, mais ils l'ont remaster. C'est... Et en plus, elle est un peu... Elle a ce style 8 bits. 16 bits. Oui, attends. Ouais, bah, 2 secondes. Je m'en occupe. Voilà. C'est mieux comme ça. Ça, c'est bien foutu quand même, hein. Faire revenir des vieux niveaux de Sonic, c'est juste génial. Ok. Hop. Tac, il y avait cette tube là aussi à l'époque. Oh, trop bien. Enfin, en fait, ce niveau-là, il est aussi dans Sonic Generation, donc en fait, je sais pas ce que je raconte comme connerie. Tac, on prend le tuyau. Oh non! J'avais oublié, il y a ça dans Sonic. Bon, j'ai rien contre les niveaux aquatiques de Sonic, ils sont bien, mais c'est stressant. Hop. Certes. Certes. Faut pas prendre de risques. Tac. Ok,
Merde, attends, je fais comment moi? Bon bah je peux pas. On va passer par là. Mais non! Pas de niveau sous-marin! Vous faites chier. Enfin, niveau aquatique plutôt, on va dire. Il y avait même cette musique à l'époque là, le. C'est impressionnant, ils ont repris plein de trucs, c'est génial. Hop! On va essayer de pas faire le con, pour être bien. C'est la fin du niveau ou pas? Non, bah je pense pas. Je pense qu'il y a encore au moins un niveau à quoi. Un ou deux. Ah bon, c'est la fin du niveau, nickel. J'en ai dit. Un petit rang S? Mais du coup, j'ai plus le multiplicateur de score. C'est pas grave, on n'aura pas le rang S. Le rang A, c'est déjà très bien. Ok, let's go. Alors c'est ici que la base de données se trouve. Attends un peu pendant que j'accède aux données depuis cet ordinateur. Alors, des plans de bataille perdus, des schémas de vieux robots. Waouh, il y a presque 10 teras de selfies. Où est-ce qu'il y a? Bingo! Arme de réalité virtuelle, le rubis fantôme. Une arme qui prend le contrôle de la perception visuelle des gens pour envoyer au cerveau de fausses informations, créant une nouvelle réalité pour eux. Alors donc c'est grosso merdo à chaque fois qu'on touche l'espèce de... d'espèce de matière rouge qu'on voit pendant les boss d'Infinite, bah c'est ça le rubis rouge en fait, c'est ça les illusions, c'est ça la réalité, une autre réalité qui fait apparaître des canons par exemple, comme on a vu. Est-ce réel que quand on scanne, notre vrai corps se fait un bleu? Eggman a fait beaucoup de prototypes, puis a transféré la version finale sur Infinite. Si je comprends bien ces données, il doit y avoir une faille. C'est super! Il faut que je raconte tout ça aux autres! Eh ben allons-y. Red Gate Bridge, ok. Je déteste me tourner les pouces. Mais y'a rien à faire jusqu'à ce que Tails revienne. Quelle malchance! Metal Sonic a été aperçu en ville! Est-ce encore un faux? Pourquoi s'embêter à faire une réplique de quelque chose qui n'est déjà pas réel? Il pouvait pas se contenter d'en faire plus? En tout cas, il va pas faire long feu. Allons-y, partenaire. Oh, parfait, ça va être un double niveau. Ça va être un niveau... Sonic est recru, et ça, c'est génial. Metal Sonic a été vu pas loin de là. Je le vois nulle part. C'est bon, tu le vois maintenant? C'est pas Metal Sonic ça, hein. Bon travail, partenaire. Continue comme ça. C'est totalement pas Metal Sonic. Moi j'aurais plutôt dit que c'était un... genre un robot d'Eggman. Laisser ces choses tout saccager dans la ville. Bah alors allons-y. Voilà, le voilà Metal Sonic. Voilà. Alors comment on fait? Je sais plus. On peut l'attaquer? Non, on peut pas l'attaquer pour le moment. On va essayer de Ah non, fallait pas sauter, fallait l'autre côté, mais c'est pas grave. Bah d'accord, ok, donc on a juste pas le premier drinks rouge, ok. Ok. Waouh, lui a fait pas mal de dégâts déjà, c'est bien. Allez, avance, saute. Fonce. C'est clairement génial. Ça vaut vraiment le coup, hein, Sonic Force. Hein. C'est vraiment un jeu. Il est juste génial. Ah! Ça fait mal.
Allez, prends-toi ça, c'est bon, il est pas très compliqué. On va vite l'avoir. On va récupérer quelques rings rouges, du boost, c'est parfait. J'ai dit quoi, quelques rings rouges? Non, quelques rings tout court. Ok, là il va envoyer ses trucs. Allez, on va pouvoir l'avoir. J'espère. Allez, c'est fini là après. T'es mort après. Encore un coup, encore un coup. Parfait. Allez, let's go. Allez. Ça, c'est magnifique ça. C'est bon, on l'a eu. Ouais, on l'a eu. Parfait. Un petit rang, un récurrent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Ah. Non, mais alors, y a pas le, j'ai pas le 1,2. Enfin, j'ai pas le fond 1,2. Fais chier. Parfait. C'était génial. Toi et moi, on forme un duo de choc face à un ennemi qui tient plutôt bien le choc. Je remarque que j'ai donné une voix un peu bizarre à la recrue. Il a une tête toute mignonne, mais il a une voix de méchant. T'as déverrouillé une étape secrète, plateforme éphémère 1 est disponible. Ouais, non, non merci. Gardien de rock, très bien, let's go. J'ai découvert un moyen d'arrêter le rubis fantôme d'Eggman. Bon travail, Tails. D'après ces signaux, le rubis fantôme a besoin d'une quantité incroyable d'énergie que seul le Death Egg peut fournir. On n'a qu'à simplement arrêter le transfert d'énergie et boum, le rubis fantôme sera quasiment inefficace. Simplement, dernière nouvelle, le Death Egg est lourdement fortifié. C'est vrai, mais j'ai un plan. D'abord, on fait diversion. Quand Eggman ne fait pas attention, on utilise l'ordinateur de l'usine chimique pour s'infiltrer dans le système d'armement du Death Egg et on l'arrête. Sans armes, ce sera du gâteau de détruire le Death Egg. Et sans le Death Egg, le rubis fantôme sera inefficace. Tu sais quoi? C'est assez fou pour que ça marche. Alors, il nous faut d'abord un leurre. Je m'en charge. Pas question, Knuckles. Tu es trop facilement distrait. Ce n'est pas une bonne qualité pour faire diversion. En plus, tu es notre commandant. On a besoin de toi ici. Pourquoi pas la nouvelle recrue? Eggman s'y attendra jamais. Il se peut même que ça le déstabilise. Bonne idée. Voilà tes ordres, recrue. On n'a plus qu'un jour avant que le plan d'Eggman soit mis à exécution. Alors grouillons-nous. Oui, grouillons-nous. Guardian Rock. Green Hill? Oui. Ok. Étape 20. Let's go. Bon, on est tout à Green Hill, mais avec la... Avec le... la recrue. Merde. Merde, je me suis loupé, je voulais attraper le bop, mais non, je pouvais pas. On a le premier rings, ok, très bien. Allez, ça dégage. Ouais, on va pas s'emmerder. Ah bah non. Malheureusement, j'ai plus d'éclair. Ok, fais chier. Non, mais non, je me suis raté, fais chier. Let's go. Ok, nickel. Oui, on va en faire du bruit. Tac. Ça, c'est ce que j'appelle bien exploser ses ennemis. Non, mais non, mais ça se ferait pas. C'est méchant ça. On reprend. Les tactiques de diversion
dépendent d'une leurre utilisée. Déchaîne-toi et attire son attention. Mais ne joue pas trop avec le feu. Nous allons nous charger de l'usine chimique. Faites autant de bruit que possible. Je remonte comment, moi? Tu me l'as fait en français, s'il te plaît? Bah comme ça, en fait. Quelque peu débile. Ah, je suis... Il y avait... Ah, ok. Bah, let's go. Il y avait pas... On pouvait pas mourir, alors j'aurais dû tomber directement. Lui m'emmerdait à perdre des rings pour rien. Là, par contre, si je tombe, je suis mort. Genre, comme ça, tu vois. Putain! Ça m'énerve! Les tactiques de diversion dépendent de l'heure utilisée. Déchaîne-toi et attire son attention! Mais on ne joue pas trop avec le feu! Nous allons nous charger de l'usine chimique. Faites autant de bruit que possible! Allez, on l'a refait. Mais putain, mais... Oh non, mais ça m'énerve. Putain, c'est chiant! Putain, je suis nul là. On va bien attendre, on va prendre son temps. Mais... Putain... Supportable. Allez. C'est bien, au moins j'ai presque plus d'éclair, mais au moins on avance bien. Bon, je vais réussir cette fois-ci, non? Non, bah visiblement non. Il veut pas que je réussisse. On va prendre son temps. Voilà. Là, c'est tout bon. Il y avait un checkpoint juste là, c'est très bien. Je récupère cet éclair. Ah bah au pire je peux faire ça, ouais oui voilà. On va pas s'emmerder. Bah tu viens d'en récupérer à l'instant des éclairs, non? Bon bah ça marche pas. Ça a pas marché, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, bah jour de boss, non? C'est pas grave, on va l'avoir. Ah. Ok, c'est bon, j'ai compris, faut juste esquiver. C'est tellement stylé! Y'a que dans les Sonic que tu peux avoir ce genre de truc, hein. C'est ouf, hein. Oh, il nous fait une star, il nous fait une Star Wars 5 quand ils détruisent les TBTT au début sur la bataille de Hoth. Parfait. On a donc réussi ce niveau. Ça, c'est cool. Mais on n'aura pas de rang B, hein. Rang A, j'ai un doute. Enfin, on n'aura pas de rang S, mais rang A, j'ai un doute. Donc, on a que rang B. Fais chier, c'est pas grave. Oh, sympa celui-là. En tout cas, on avance tranquillement dans le jeu. On est déjà quoi, épisode 4? Ça va pas prendre 30 ans, je pense. Hein. On a quoi, 42%? Le let's play va pas prendre 30 ans, les amis. Hein. Je pense pas. Hein. Network terminal. Je suis presque arrivé à l'usine chimique. Comment se passe la diversion pour la recrue? Pour l'instant, tout va bien. Si la recrue s'en sort bien, faudra lui trouver un nouveau surnom.
Ensuite, on doit trouver les ordinateurs à l'usine chimique et éteindre le système d'armement du décès. Parfait. Ça fait un moment que j'attends d'entrer en jeu. Network terminal, très bien. Let's go. Et bah vas-y, fais ton truc, Sonic. Oh oui, il sera mis au tapis. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as sauté sur le côté alors que t'aurais pu avoir la ring rouge? Sonic, enfin! Regarde, par exemple. Je te fais un exemple, voilà. Pas compliqué. Oh non, pas ces trucs là, j'aime pas. Je vais prendre pas mal, je vais perdre des rings. Mais du coup c'est bon, j'ai pas perdu de rings. Allez. Par contre c'est bien le fait qu'ils aient enlevé les systèmes de vie là-dedans. Parce que c'est vrai que des fois c'est chiant, tu perds beaucoup de fois et puis à un moment t'es obligé de recommencer le niveau depuis le début si tu perds toutes tes vies. Là y'a plus de principe de vie et c'est tellement mieux, je trouve. Pour le dynamisme qu'est Sonic, c'est mieux quand y'a pas de vie. Mais quoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé là, mais c'est pas grave. Ah, j'ai compris, c'est ça qui m'a fait tomber tout à l'heure, ok. Hop, 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 let's go. Bah, c'était pas très compliqué, hein. Rang S? Je pense pas. Un petit rang S, allez, allez. Oui, bah oui, 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 bah oui. Bah non. Bah non. Allez, bâtard, à ça. Putain. Bon, c'est pas grave. Rang A et on a ça dans le rang S. Putain. Ah, c'est à cause de ma mort. Je serais pas mort, on aurait eu le rang S. Allez, on est en train de gagner du terrain, 57%. Canon à plasma. Non, canon plasma, hein, c'est un niveau bonus. Hein. Étape 22, Death Egg. Le système d'armement du Death Egg est éteint. C'est le moment ou jamais. Vas-y, vite. Détruis le Death Egg et coupe l'alimentation. À t'entendre, on dirait une promenade de santé. Je te rappelle que c'est un Death Egg. Ne t'inquiète pas, l'autre Sonic a la situation en main. Eh ben du coup on va jouer qui? C'est un vieux gameplay ça? Oui. Hey, le système de défense est toujours activé. Je croyais qu'on l'avait coupé. Ils ont sûrement dû enclencher l'alimentation de secours. Pas d'inquiétude, Sonic est sur le coup. Il va trouver. Bah oui, bah écoute, c'est pas si facile hein, tu sais, je sais que c'est un peu comme étoile de la mort quoi, t'sais. C'est tu vois, heureusement que les plans ont été dérobés parce que sinon on aurait jamais réussi à détruire le l'étoile de la mort, quoi, tu vois, donc, enfin, c'est pas du gâteau. Enfin, je dis on, non, mais il, quoi, dans le film, quoi, dans Star Wars 4, quoi, vous avez capté. Ah, c'est sympa, mais c'est voilà, c'est traite de fou. Je voulais esquiver le truc, bah, j'ai pas réussi. Et prends ça. Non, j'ai dit prends ça, voilà. Pourquoi on est à l'envers? Mais bordel! Et je suis toujours à l'envers là. Non mais s'il vous plaît quoi. Faites un effort bordel.
Oh mais putain, je suis con, moi. Ok, let's go. Oh là, c'est dur. Je peux revenir à l'endroit, s'il vous plaît. Je commence à avoir la tête qui tourne, moi aussi. J'ai un gaz rouge, ça me sert à rien. C'est pas grave. Quoi? C'est quoi? Oh, sympa. J'avais oublié ça. Bim. Bah il m'a dit pas d'imprudence, bah j'ai foncé dedans hein. J'ai foncé dans l'imprudence moi. Non mais... Mais bon... Voilà, le vieux Sonic c'est un peu le gameplay comme ça que j'aime pas trop. Bah après j'aime bien mais tu vois le fait que sans le vouloir tu veux monter sur un ressort et en réalité tu tombes sur un truc qui te fait des dégâts, c'est pas ouf. Cette imprécision. Après c'est moi qui suis nul aussi hein. Oh parfait. Ça je prends ça. Allez fonce. J'ai le droit d'avoir un rang S? Oui. J'ai le droit. Pour une fois. Ça faisait longtemps. Bon bah parfait. On a réussi. Et les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Sauf s'il y a une cinématique. Est-ce qu'il y a une cinématique? Je crois que oui. L'exécution du plan. Infinite, battons stratégiquement en retraite afin de mobiliser nos forces. Par battre stratégiquement en retraite, vous voulez dire fuir la queue entre les jambes? Cela ne me plaît guère, docteur. Tais-toi et contente-toi de me suivre. J'adore les deux robots qu'on voit dans la série Sonic Boom. Bah, en fait, on les voit partout, genre. Même dans la série Sonic Prime, on les voit. Ils sont drôles. Bon, parfait. Une étape secrète. Canon laser est disponible. Très bien. Metropolitan Highway. Ok, très bien. Eh ben, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode de Sonic Force. J'espère que ça vous aura plu. Merde, j'ai cliqué sur... Je voulais pas faire ça. J'espère que ça vous aura plu, ça vous a plu, et bien like, partagez-moi, vous connaissez la chanson, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Commandant Rétro, bye tout le monde.